360 degrés de ciel, toute une anse à contourner, pas une dune qui dépasse, et des relents de marée basse. On m'a indiqué une route prise sans me poser de questions, surtout pas question que je doute qu'elle ne me mène à la maison. Le train s'est arrêté partout. Je suis descendu au hasard. C'était une petite gare aux ouvertures barrées de planches, mais des roses y étaient plantées comme pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs égarés. Moi, je ne suis pas perdu. Je traverse juste une vie blanche où s'entremêlent les saisons, sans aucun détour qui dissuade d'un jour entrer à la maison. Je vois les livres qui m'attendent, le grand lit, les rideaux tirés, le chêne aux larges branches, juste derrière les marais. Je vois un visage, des yeux tissant leur toile, une bouche qui balaie les cendres des reliques d'orage. Je vois la chemise qu'on ramasse au pied d'une porte de la grange. On ne s'y aimera plus personne, on en dormira tout au plus, comme bête somme fourbue. En toutes circonstances, on sait là garder raison, raison de plus pour rentrer à la maison. degrés de ciel, toute une anse à contourner, marcher sous un soleil d'été, puisqu'il est sûr que tout se paye, tout se décline à l'infini, des retours sans cesse à journée. C'est que la route se dérobe, elle recule sans doute, il faudrait ne pas bouger, la laisser faire, qu'elle se déroule à l'envers. Que sans peiner d'aucune façon, elle nous ramène.